It will be interesting for you to explain to the camera if you're into. Yeah, so I took a look into rebranding a little the Detecti main logo in a way that I think works maybe a little better, feels more organic. Those are basically the two options I have come up with. So first one would be to spell it out in all caps with rounded off edges, and the other one would be to go for a little bolder look. They both work in my opinion. It's just a matter of taste at this point. Yeah. Pour moi c'est le OK. Toi c'est laquelle? Bah moi ça joue entre les deux là, tu vois. OK. C'est ça qui est cool en séparé en deux aussi. Bah ouais. Quand on a commencé Terne, au tout début, j'avais fait logo web. J'avais pris un pack d'assets et c'était vraiment nul à chier. Mais c'était pour tester. C'était vraiment pour tester si Terne allait plaire et tout. Et une fois que on a vu que ça plaisait, c'est là où on a vraiment voulu travailler avec RoboKao, qui est un super graphiste avec qui on a déjà bossé dans le temps, pour nous créer l'identité. Et maintenant que le temps passe, on sait encore mieux où on veut se diriger, ce qu'on veut raconter et comment on veut incarner le logo et l'identité. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire évoluer la police d'écriture. Parce qu'actuellement, on a cette police d'écriture-là, qui est très grosse et qui prend un peu trop d'importance par rapport au reste. Et du coup, un petit défi qu'on a donné à Mister Beko est d'essayer de voir pour recomposer ça. Là, le message de la typo, pour moi, c'est pas le message de Terne aujourd'hui. Et du coup, on a fait une grosse recherche de mood, qui ça colle et un peu à l'outdoor et un peu au côté geek informatique. Et surtout, dans ce... En gros, on a le logo qui est le rond Terne, qui est le logo de la marque. Et il y a ce triangle qui est invoqué pour des produits particuliers, pour une gamme. Et du coup, je trouve que là, en plus, ça répond encore plus à la gamme et à ce qu'elle veut dire. Regarde-moi ça. Comme elle. Les gars, on a reçu un colis. En fait, je pense qu'à la fin de l'année, il y aura un peu un... on pourra faire une compile, voilà, Flub le Maxeur. On a commandé un nouveau micro pour faire des beaux plans avec un bon son. En gros, l'idée, c'est pour les vidéos, parce qu'on fait beaucoup au format vlog avec cette caméra, c'est super. Mais des fois, on va être posé dans une chaise et parler un peu plus en mode interview. On a pris un shotgun mic, on a pété le MKE 600. Et j'ai vu que pas mal de gens sont quand même sur le Rode NTG, je sais pas quoi, là. Ça va être les deux antagonistes. J'ai pris un petit pied. Je me rendais pas compte de la taille. Je m'attendais à plus grand. Mais attends, il manque un pied, là. Attends, pour moi il y avait une... Donc en gros... Le micro il faut au-dessus de toi logiquement. Bon non, dans tout ça peut aller aussi je pense. C'est quand tu sais faire un décor, Flo. On attend le décor pour les streams et les podcasts. Non, y'a pas besoin, y'a pas besoin. Tu m'auras pas besoin. Ok, là je parle un peu pour que le micro... Ça c'était le micro de la cam? Là c'est le micro de la caméra qui m'entend, donc vous voyez qu'il est un peu loin. Là, on vient de switcher sur le micro qui est le micro-cravate. Il est un peu étouffé, quand je mets de l'émotion dans la voix et que je parle avec mes tripes, eh bien ça fonctionne pas très bien. Et là, on vient de passer sur le micro qui est le MKE-MKH600. T'as touché la piste audio ou pas? Rien. Non. C'est incroyable. Et là, je peux parler et je peux... Il est là. Il est là, le nouveau micro. Et il est pas mal, non? La diff, même moi, elle me choque encore. Faut postuler, faut envoyer. Ouais, faut envoyer, là. Donne, non, mais c'est tard. Vous commencez à nous connaître, on est allé à Paris. C'est un truc qu'on voit pas mal en ce moment, mais c'est des pop-up avec plusieurs marques, plusieurs artistes, plusieurs entreprises qui prennent un lieu ensemble, qui font des trucs collaboratifs. Et là, du coup, c'était ça. Il y avait 4 artistes et une friperie en ligne, si je me trompe pas, si j'oublie personne. Il y avait Jackman, Seni, Artemil et Frings qui exposaient du coup leur création. Je connaissais déjà Artemil et Frings et en plus il y avait Ice Cream, donc j'ai beaucoup parlé avec ces gars-là, mais c'était super intéressant. Artemil il peignait en live, donc on pouvait comprendre un peu mieux son process créatif. Et de l'autre côté il y avait Ice Cream et Frings qui du coup exposaient une œuvre en commun, et aussi Frings il vendait du coup des vêtements, quelques-uns des prints, des peintures. C'était super intéressant parce que c'est des gens que je vois beaucoup sur les réseaux, et les voir en vrai, pouvoir comprendre un peu mieux leur vision, ce qu'ils ont pas eu comme problème et tout, c'est super intéressant. En plus de tout ça, il y avait une friperie, il y avait Dolce Vita Hub. Pile quand j'arrive au pop-up, il y a un des mec qui vient me voir et qui me fait hey, mais j'ai vu ta vidéo, moi aussi je suis d'Orléans. Comment ça je suis pas au courant qu'il y a des gens qui créent des trucs comme ça à Orléans? C'est fou parce qu'en fait il doit y avoir plein de gens intéressants et juste on n'a pas encore croisé nos routes et on sait pas qu'on existe mutuellement. Ce qui est cool avec surtout Frings et Ice Cream, c'est qu'ils se mettent pas trop de limites sur le support. Ils font pas que de la peinture, pas que du print, ils veulent explorer les vêtements, le tatouage pour Ice Cream. Enfin, c'est assez intéressant de voir plein de supports utilisés pour la création. Ouais, je te fais un petit tour si tu veux. Vas-y, je sens. Du coup, là, ce. Projet, on est parti en Grèce, c'était un pays qu'on ne connaissait pas du tout. On est arrivé, on a pris une voiture. Tous les jours, j'ai fait des croquis, des vidéos, des photos, dans le but de vraiment recréer mon ressenti. C'est intéressant parce qu'au final, quand tu regardes le tableau, on ne dirait même pas que c'est en Grèce. Du coup, t'as pris plusieurs photos que t'as assemblées en calme. T'as, je pense, au moins 20 photos différentes sur plusieurs jours. Celle-là, c'est une idée qu'on a eue avec Toxin, ça s'appelle Amour Impossible. C'était le thème sur lequel on a travaillé. Donc t'es à moitié photo, moitié peinture. Et en gros le côté photo, c'est
ça représente plus la réalité, le côté vraiment, ouais, comme si ouais, le mec était vraiment dans la vraie vie, tu vois, avec des couleurs froides. Et moi, je suis venu du côté peinture, réinventer tout un monde où du coup, tu as un contraste déjà de matière, de couleurs. Et en fait, le mec, il tend vers la meuf qui n'existe pas vraiment. Du coup, lui, il est parti faire la photo de ton côté. Et il m'a envoyé un dossier et il m'a dit vas-y carte blanche. Et par exemple tu vois le point de lumière là, ouais, n'existait pas. Donc si okay, je pars de ce point de lumière là, faire tout le tableau. Ouais, mais c'est et donc recréer toutes les ombres, toutes les lumières, toutes les couleurs. C'est vrai que du coup il y avait Artemil qui exposait et qui peignait en live. Et à côté de ça on peut voir pas mal de ses autres créations. Une qu'il avait fait avec Toxine, qui est un gars qui fait la photo, mais pas que. Et il a fait les trois dernières covers de Mademoiselle Lou. Ils ont fait une release party parce qu'ils ont dévoilé du coup la dernière cover. Bah je savais pas du tout et j'ai pu découvrir que c'était lui qui les faisait. J'ai vu une story de Mademoiselle Lou l'autre jour, elle est venue faire son reveal de... Ouais. C'est qui qu'elle venait faire le reveal? Reveal et première écoute. Le premier projet s'appelait Les Ombres. Ouais. Et j'ai décidé de personnaliser les ombres comme si c'était des fils qui venaient la submerger. Et du coup ça fait une histoire. Tout le monde est 3 EP qui se positionnent aussi dans la musique. Donc le premier EP il est plus sombre et plus tu avances, plus c'est joyeux. Et là, bah, les fils n'existent plus et c'est tes cheveux qui sont revant. Tu avais déjà prévu la trilogie au début? Ça s'est fait en route. Ça s'est fait en route et à partir de la deuxième, on s'est dit vas-y, on va faire une histoire. Ok. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont dans un processus de création super profond, super réfléchi et ils le mettent pas assez en avant, ils le racontent pas assez. Et là, j'étais trop content de découvrir et comprendre tout ça, quoi. Ça rajoute tellement de saveur à l'œuvre, je trouve. Celui-ci, ouais. Ça va en vrai, hein, les deux. Moi, je pense que le meilleur combo, c'est ça en primaire, avec en plus forte, avec ouais, une des deux en secondaire. Ça. Oh, la différence, quoi. Samplons ça. Vas-y, avec ce beige-là en base. Attends, oui, carré. Ah, frère. C'est vraiment, mais ils sont parfaits, hein. Ouais, c'est exactement ce qu'il avait en tête, je pense. Pink Tonal Texty. Et à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, ça drop très probablement, donc il n'y en a pas beaucoup. On fait des petits drops, vous avez vu, il n'y a qu'un seul carton. C'est pour cet été, c'est pour vous régaler. Il y a plein de t-shirts en stock si jamais, si ceux si sont tous vendus. Direction Tom. J'arrive. Damn. Tu sais quoi, je crois qu'on va l'archiver quoi qu'il arrive. Oh là là, il est magnifique. Et c'est pas tout, on sort quelques maillots de foot et une collaboration avec un artiste, c'est la toute première sur Terne dans les prochaines semaines. Guettez ça, franchement j'ai hâte de proposer ces putains de maillots de foot qui sont incroyables et la collaboration avec Joseph Michel qui est insane aussi. Abonnez-vous et n'hésitez pas à aller voir ce qu'on sort comme vêtements, c'est un moyen de financer ces vidéos, d'acheter nos vêtements, voilà. On a lancé l'accès exclusif des Tecti Roses. Les gars, on en a vendu une vingtaine en 30 minutes. Et du coup, on va commencer les petites commandes. Regarde, double Tecti, Tonal Pink plus Triple White, ça fait super plaisir. Et c'est le premier Tecti Rose qui part. Tu vois, après, regarde, ça renchaîne direct. Encore un Pink Tecti. Merci pour vos commandes. Je suis en train de répondre à tous les DM pour l'accès exclusif du Tecti Rose. Je te jure, ça fait que de tomber. C'est pas la taille de la quicheta. On va potentiellement changer de matière sur les t-shirts. On va tester une nouvelle matière. Mm-hmm. Un peu plus légère, mais qui fait plus vintage comme les graffitis qu'on aime bien. Du coup, j'ai demandé une nouvelle color card. Et je sais pas, et combien il y en a ? 236. C'est que les couleurs ou c'est les matières aussi qui jouent ? Non, là, c'est tout la même matière. C'est 220 GSM, 100% coton. Et du coup, plus léger que nos tis actuels, mais qui auront un rendu qu'on recherche. Là, on se rend peut-être pas compte à quel point le t-shirt qu'on a reçu, il change beaucoup de choses pour nous. Pendant longtemps, on travaillait qu'avec un seul coton pour tous nos t-shirts. Sauf que là, on voulait faire un autre type de t-shirt, qui sont les t-shirts avec des graphiques imprimés dessus. Ouais, génial la matière. C'est exactement ça. En tout cas, moi, ça me parle vraiment bien. Exactement ça, la matière, le côté plus rappeur en fait, c'est que, ouais, que nos tis habituellement. Je sais pas si. Ouais. Je trouve justement ça encore plus cool et excellent parce que ça correspond à pourquoi on l'utilise. Ouais, de ouf. Je trouvais ça pas forcément super pertinent de réutiliser la même matière pour raconter quelque chose de différent. On a testé, je crois, 3 ou 4 matières différentes avant d'avoir la bonne, qui est du coup un nouveau coton qui est encore épais, qui est vraiment super cool, mais il a un rendu qui se rapproche beaucoup plus de ce qui est utilisé pour faire des graffitis. Et surtout, j'ai hâte de voir l'impression. Ils savent faire imprimer, ils savent faire de la sérigraphie en Chine. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont repris là-dessus en mode « Si, en Chine, ils savent imprimer. » Ils savent imprimer. Juste, nous, on est habitués à... ils ont des encres qui sont différentes, des méthodes de cuisson qui sont différentes et des méthodes d'impression qui sont différentes. Ce qui fait que le rendu, au final, il peut souvent être différent de ce qu'on est habitué quand on veut des graffitis en France ou aux États-Unis ou en Europe. Et là, le challenge, c'est d'avoir le rendu auquel on est tant attaché, nous, qui est vraiment celui des graffitis américains imprimés par des vieux darons dans les States, et réussir à faire ça en Chine. Je crois que, on a réussi.
dit, hein. C'est plus la méthode moderne d'imprimer. Ouais, en fait, c'est ça. Mais c'est comme le single stitch, c'est comme ce coton-là. Maintenant, on a des trucs plus modernes, mieux finis, mais qui n'ont pas le cachet de l'ancien et des méthodes plus artisanales ou plus bricolées. Après, nous, là où on va essayer d'être intéressant, c'est de faire le bon compromis entre ce qu'on aime bien dans les t-shirts vintage et ce qu'on a appris en 40 ans de t-shirts de plus. Exactement. Ouais. On essaie de reprendre les codes et c'est essayer de comprendre un peu du coup comment on a évolué, comment on a construit ça à l'époque pour le faire de la meilleure des manières, mais aujourd'hui. Regarde-moi ça. C'est notre première vidéo sur le compte. Ah, peut-être qu'on va flouter le nom du compte pour pas que les gens ils le trouvent. Mais vas-y, c'est pas grave. Margot. Thanks, Margot. Margot ordered a sweater in size small. Bon, j'ai essayé de faire une vidéo en anglais. On va voir si ça marche. Et je vais la poster. C'est un téléphone qu'on m'a acheté aux États-Unis. Il y a une carte SIM américaine. Ça devrait aider. On va voir. Mais il est pas trop tôt chez eux là? Si. C'est pas grave. Je viens de tirer à l'instant. C'est pas grave. Une bonne vidéo reste une bonne vidéo, peu importe l'horaire. Là, j'ai un peu un doute sur ce que je dis. Ah, je suis con, mais ouais, mais c'est pas grave. Dans la boîte, on a tout qui fonctionne déjà. On sait créer des vêtements, on sait les expédier, on a un service client. Rajouter des commandes en plus, ça change pas grand-chose pour nous, si ce n'est qu'on gagne de l'argent. Et pourquoi pas essayer, du coup, d'aller faire des vidéos en anglais pour nous faire découvrir au Royaume-Uni. Et c'est super intéressant comme exercice parce que, vu que je parle en anglais dans les vidéos, que c'est pas une IA ou quoi que ce soit, j'ai vraiment l'impression de recommencer à faire des vidéos à zéro. Mon vocabulaire, il est pas aussi fluide et agréable qu'en français, en fait. On va flouter le nom du compte, n'allez pas voir, je vous tiendrai au courant, mais ça peut flinguer le compte si vous allez tous dessus, donc... secret, les gars. Et il y a plein d'avantages à vendre aux États-Unis. Là, c'est juste tellement plus de personnes qui peuvent kiffer les vêtements qu'on fait. Et on a un avantage. C'est que quand tu es en France et que tu vends aux États-Unis, tu ne payes pas de TVA. En tout cas, c'est eux qui la payent avec les frais de douane. Donc pour nous, c'est plus intéressant parce qu'on gagne plus d'argent. Bon, c'est un peu technique, mais. Après, t'as les frais de livraison. Voilà. Le truc, c'est qu'on perd avec les frais de livraison parce qu'on leur fait les frais de livraison pas trop chers. Mais c'est quand même intéressant. Quand tu vends en France pour 100 euros, tu donnes 20% à l'État. Donc en fait, tu gagnes 80 euros. Quand tu vends aux États-Unis pour 100 euros, t'as 100 euros dans ta poche et la douane va prendre la TVA qu'elle va collecter et envoyer à l'État. On gagne plus de marge. Et c'est pour ça qu'on paye les frais de douane en fait quand on commande d'autres pays. C'est pour payer les impôts des autres pays.